Bonjour tout le monde. Je ne sais pas par quoi commencer, mais déjà dire désolé pour ce retard, cette longue absence due à une raison personnelle, professionnelle. J'arrive pas à trouver du temps et même l'envie. D'accord? On ne peut pas se forcer, hein. De toute façon, on ne peut pas se forcer. Voilà, j'étais pas apte à faire des tirage. Et aujourd'hui, waouh, j'avais besoin de vous retrouver, de retrouver les cartes. Et coucou mes chers scorpions, j'espère que vous allez bien, que tout se passe dans votre comme vous le voulez, en votre faveur, hein, c'est ce que je voulais vous dire. Et on va voir ensemble les messages pour finir l'année, et j'espère tout en beauté. Notre cher oracle de la triade, qu'est-ce qu'il va nous dire pour vous pour... Eh ben, ça saute déjà. Hein. Initiation, un début de quelque chose. Une aide aussi. Hein, j'ai dans la voix, elle me dit une aide. On vous tend la main. Quelqu'un va vous tendre la main. La science? Peut-être une initiation, une formation pour certains. Se mettre au travail. On commence peut-être à planifier une formation, une reconversion. Allez, on y va à la coupe. Pardon, bénédiction. Déjà là, on a besoin d'être en paix avec soi-même. De se pardonner. De se pardonner, de pardonner à la vie ou de pardonner à quelqu'un aussi. On a envie de clarifier les choses. C'est blanc. Les deux cartes, elles se ressemblent. Le même format, en fait, oui, le même format. Mais les couleurs, elles se ressemblent. Et on voit la main, là, qui revient à l'initiation. Il y a quelqu'un qui va vous aider aussi. En vous tend la main. Pour vous aider à clarifier certaines choses avec soit avec vous-même ou avec une situation, mais voilà, soyez confiant et acceptez l'aide. Alors là, on commence avec le passé récent, le présent. Alors, quelles sont les questions, les problématiques qu'on se pose? Les réponses pour vous, mes chers scorpions, pour le mois de décembre, pour finir l'année, on va voir le message. Et enfin, la synthèse. La synthèse. Il y a une carte là qui me. Je vais la garder. M'interpelle. L'arme. Il y a eu un combat. Dans le passé, pour arriver à un but, à un objectif, hein. Ou des disputes aussi. Il se peut aussi un procès. Hein. On s'est armé, on n'a pas baissé les armes. Hein. Là, vous étiez vraiment dans le combat pour avancer ou pour régler quelque chose. Le présent, science. Peut-être. Ah, bah voilà, c'est la fin. Elle revient là. La science. Peut-être on s'est battu pour réussir une étape nouvelle, une étape, une formation, une expérience nouvelle. On se bat, on s'est battu, on se bat peut-être encore, mais voilà, vous allez aussi être dans la reconversion grâce à ce combat que vous avez mené. Et là, vous êtes prêt ou prête à initier quelque chose de nouveau. Là, on est dans la nouveauté, hein, dans la recherche, l'expérimentation, dans l'approfondissement aussi de vos actions, de vos analyses, dans la perfection, entre guillemets, dans votre activité. Voilà, vous voulez approfondir les choses. Le problème, lumière, c'est pas un... Peut-être il manque de clarté pour vous, c'est ça ce qui manque. Vous avez besoin d'approfondir les choses. Il y a un manque de clarté
qui vous chagrine ou qui vous perturbe. Je regarde la carte là, mutation. Ouais, dans ce changement, vous voyez, il y a un changement qui vous fait peut-être un peu stresser, mais c'est léger, hein. C'est pas léger parce que c'est léger, c'est pas léger. Oh. C'est léger plutôt, c'est léger parce que vous êtes encore dans l'étape débutant, hein. Vous voulez accéder vite, hein, à faire rapidement bouleverser les choses, et ça manque encore de clarté. Mais vous êtes vraiment dans le bon chemin, hein. Il faut pas avoir peur, hein. On va voir la réponse là. Voyage, vous voyez, là on est dans une transformation, un voyage, ça peut être physique, hein, ou plutôt spirituel, hein, mentalement. On est vraiment dans le mouvement, hein, dans le mouvement pour aboutir à quelque chose, la synthèse, dans le sacrifice. Ça demande encore du temps, hein, pour concrétiser ce changement-là. Concrétiser, pour aboutir à votre objectif. Il y a encore du chemin, du sacrifice. Il ne faut pas baisser les bras. Hein. Peut-être là, vous avez envie de souffler un petit peu. Mais on vous dit, bah, les choses vont s'améliorer. Il y a du changement, mais ça va pas être facile encore. Hein. Il faut continuer à perfectionner, hein, ce que vous avez en main. L'éternité, ouais, c'est pour avoir cet engagement lent et sur la durée et que vous serez tranquillisé par la suite. Hein, c'est un contrat, un CDI, un engagement dans une relation, un engagement dans un investissement, dans un projet quelconque, là. Et on parle de quelque chose de solide, de durable. Du durable qui va venir grâce à vos efforts et vos capacités à vous adapter. Là, on voit qu'il y a une adaptation. Vous, peut-être pour certains, on parle vraiment d'un déménagement, de partir quelque part ou de carrément de changer de cap. Hein. Là, on va parler de changement. Et ce changement-là, vous allez bénéficier de quelque chose de solide et durable. Voilà, on passe je m'arrête là, hein, les rêves enchantés de Normand. Pour approfondir, là, on va voir, je vais couvrir, donc pour le passé récent, je parle de quoi? On parle de l'encre, l'ancrage. Là, vous battez pour vous ancrer à quelque chose, pour vous rattacher à quelque chose. Faire durer les choses et c'est nouveau. Vous voyez, là, c'est une nouvelle formation, c'est un nouveau contrat, c'est une nouvelle un nouveau emploi, un nouvel emploi. Vraiment, c'est du nouveau et vous vous battez pour que vous soyez reconnu. Hein, il y a la reconnaissance grâce à votre sacrifice, grâce à votre combat. Vous menez bien la bataille. Hein. Il n'y a pas d'inquiétude à faire. Je sais pas aussi, pour certains, ça parle des études de leur enfant. Hein. Là, vous battez pour qu'il continue ses études, hein, pour qu'il soit après, par la suite, ancré, qu'il y a vraiment un avenir clair, d'accord, pour lui, mais pour vous aussi. Hein. On parle aussi des formations. Il se peut aussi, un enfant, un jeune ou un enfant, il est amené à partir, hein, de la région ou carrément de pays. Il se peut aussi, ça vous perturbe ou ça vous encourage, l'un des deux. Il y a la carte homme qui est sortie, l'homme, mais elle est là. Peut-être votre compagnon, il se peut aussi, pour certains, une question de séparation et qu'il y a en jeu l'enfant ou les enfants. Donc, comment on va organiser leur avenir par rapport à ce déménagement ou à cette séparation physique. Hein. Je veux aussi, oui, parce que vous battez pour leur tranquillité. Il y a du changement aussi par rapport à ça. Ok. Alors, les perturbations.
frustrations, les questionnements, le choix, vous voyez là, le choix, la décision à prendre. Hein. C'est pour ça, c'est pas clair pour vous, je pense, ou vous avez plusieurs choix et que vous avez besoin d'éclaircir, d'approfondir votre analyse hein, pour avoir la décision. On parle de changement de toute façon. Hein. Là, ça tourmente hein, en tournant rond aussi pour aller vers cette sortie. Mais c'est intéressant parce que vous avez le choix. C'est pas qu'il n'y a rien. Mais là, c'est... Alors, oh, vous voyez là, c'est on parle de bâtiment, d'officiel, de quelque chose, peut-être aussi, comme j'ai dit, l'école, l'université ou une grande école ou qui a un rapport avec ce déplacement, avec ce voyage. Ou, comme j'ai dit aussi, si c'est mental, c'est un choix de faire par rapport à un emploi, une autre destinée au niveau emploi, quelque chose de nouveau qui se met qui est en phase avec vous-même et qui prend forme en décembre, ça va être clair après suite à une formation que vous avez menée, peut-être là vous sollicite. Ça parle aussi sur le plan il y en a qui vont plus dans l'administratif quelque chose. Voilà, peut-être j'entends là public, dans le secteur public. Alors pour certains, si ça parle. En synthèse, alors qu'est-ce qu'il y en a comme message en synthèse? On lance les dés. On lance les dés, c'est un risque. C'est un risque que vous le sentez. Vous prenez le risque. Puisque le sacrifice, vous prenez le risque, peut-être pour ce changement, pour une démission pour aller vers autre chose, ou un risque pour quitter un service, un employeur, un mari, mais c'est un risque. Un risque pour son enfant de vous lancer dans une spécialisation particulière, mais on tente sa chance. On tente sa chance et on n'hésite pas, d'accord ? C'est que bah après il y a le côté sacrifice qui est là, qui est présent. Il faut pas se douter, mais prendre en compte que ce sera pas aussi facile que vous pensez. On passe avec on continue avec les messages, l'oracle des miroirs pour approfondir plus de messages avec vous, mes chers scorpions. Alors pour le passé récent, qu'est-ce qu'on a? Étranger. Pour quelque chose qui est étranger à vous, hein, qui est arrivé, c'est un événement étranger à vos habitudes. Et c'est ce qui a bouleversé un peu votre quotidien, vos habitudes. Ça, voilà, il y a une nouveauté, hein, un événement nouveau qui vous a donné un déclic. J'ai l'impression que ça... Voilà, qui sort de votre champ habituel et que ça vous a amené à aller vers cette aventure, ce risque-là, mais qui vous donne aussi une sensation d'atterrir à un truc qui vous correspond en fait, ce que vous attendez hein, depuis un moment aussi dans l'inconscient ou conscient, mais c'est ce que vous voulez. C'est pas mal. Une nouveauté, l'enfant nous dit aussi la nouveauté. Là, l'ouverture, vous voyez, c'est votre destin, l'ouverture. Excellent. Cet élément étranger, waouh, c'est un déclic, comme j'ai dit, qui vous a permis d'ouvrir votre champ visuel, d'ouvrir votre champ de capacité ou d'adaptation à autre chose. L'élément voyez, mais c'est normal, c'est inconnu, c'est que vous avez peur d'échouer, de l'échec, c'est manque de clarté, vous ne voyez pas le bout des choses et vous avez peur de tomber, d'échouer hein. C'est le côté
inconnu qui fait peur, c'est normal, hein, parce que c'est pas dans vos habitudes. On voit la réponse. Boomerang. Bah, en fait, c'est quelque chose qui revient du passé aussi, hein. J'ai l'impression que c'est, comme j'ai dit, c'est un événement inattendu, certes, ici, étranger, mais que au fond de vous, vous l'attendiez depuis un moment, hein, et que là, ça vient au mois de décembre, mais c'est une surprise en fait, hein, c'est une surprise. Et que vous hésitez parce que c'est pas le moment, vous n'êtes pas préparé, mais bon, la synthèse, on va dire accusation. La synthèse, accusation, on vous accuse peut-être autour de vous de faire des choses incertaines, d'agir sous l'impulsion. On peut vous accuser ben, que là, vous mettez en péril une situation, votre situation familiale, vos enfants, je ne sais pas. On vous accuse, ou vous-même, vous vous accusez parce que vous prenez le risque. On va. L'homme, ah bah oui, c'est l'homme. Pour certains, ça parle aussi, il est là, l'homme, il revient là. Accusation, si vous prenez le devant pour quitter un homme par rapport à votre ambition personnelle. Ou vous, voilà, vous prenez la décision de partir, de quitter, et ah, c'est un choix qui déstabilise toute une famille, que ça peut, une famille, amis, tout votre environnement. Ou c'est l'homme qui vous accuse de voilà, que vous prenez des risques. Il n'est pas content. C'est dans le flou pour lui. Il a besoin de votre conjoint, peut-être, oui, des choses concrètes, et que bah, ça le met aussi en péril, soit c'est le côté financier, le côté pépère, et que là, ça lui convient pas personnellement. À vous de voir. Alors, on y va, on continue. Avec l'oracle G, quels sont les messages pour mes chers scorpions? Et on a le. Ça, c'est. Là, ça commence l'automne. C'est la saison. C'est en plein saison. Ça a commencé, peut-être. C'est un événement, là, tout récent qui s'est passé, là. À vous de voir. On parle d'une saison aussi. Mais ça a débuté, là. Ça a débuté depuis peut-être un mois, 2 mois, ou là, récent. C'est un événement qui, là, on est pour les énergies de décembre, mais qui, en fait, qui est concerné par un événement de l'automne. Cadeau. Cadeau. On parle du printemps aussi. Une belle surprise d'ici le printemps que vous allez peut-être, voilà, là, vous commencez et vous allez voir les fruits au moins dans les 3 mois. Après l'hiver, bien sûr. Alors, le passé récent, le travail. Oh, l'acharnement, vous voyez, vous vous battez, vous avez bossé dur pour y arriver. Encore, aussi, on parle du manuel. C'est possible aussi que. Il y a des travaux à la maison à faire, certains. C'est stressant, hein, il faut faire attention à la santé. C'est comme ça, là. Parce qu'il y a la seringue, peut-être vaccination, on parle de vaccination, ou aussi être accro, hein, c'est comme une drogue là, comme une drogue. Ce que vous faites là, ce que vous allez faire, c'est comme une drogue, ça vous prend tout le temps, le temps, le mental, et que vous n'arrivez pas à vous détacher avec ces nouveaux éléments qui arrivent dans votre vie. Ça peut être une personne, ça peut être un hobby, un loisir ou le travail. Ça, oui, je sens, vous voyez, le travail. Vous êtes drogué par le travail pour certains. Ou, voilà, vous êtes accro à quelque chose qui vous stimule et que vous avez besoin de ça. Hein. Ou pour certains, peut-être le manuel, l'art, l'artiste. Ouais, c'est plus manuel. C'est plus manuel. Alors, le questionnement.
Le changement. Waouh, le changement il est là, le papillon il est là. Vous êtes en vraiment une période de transformation et vous commencez à voir les choses clairement. Peut-être vous vous posez des questions hein, sur la clarté, mais acceptez ce changement-là. Je pense que c'est ça, vous vous posez des questions sur ce changement. Vous dites, mais vous êtes en phase de transformation. Et il y a. Waouh, elle était tournée celle-ci. Pas mal, c'est pour vous. La lumière, la lumière. Vous êtes guidé. Excellente cette bougie. Oh, la réponse. Waouh, voyez, c'est l'évolution. L'évolution pour vous, elle est grâce à vous aussi. Hein. Le résultat, vous allez dans le sens de réussite. La synthèse, le serpent. Ben vous allez peut-être avoir des, oui, des personnes, accusations, l'homme. Ouais, ben, faites attention à l'adversité, à des personnes qui peuvent vous décourager. Hein. La synthèse aussi, ça peut être aussi vous, en tant que cobra, là, vous êtes dans l'attente et dans le moment. Pour attaquer, hein, pour le bon moment à attaquer quelque chose de vraiment sûrement et définitivement, mais dans le bon sens, hein, c'est pas attaquer quelqu'un, mais attaquer un objectif. Voilà, vous êtes en mode de prêt à l'attaque. Prêt à l'attaque si c'est pour vous, moi je vois plus, voilà, prêt à l'attaque, prêt à. Aller rapidement vers votre objectif, vous défendre aussi, prêt à vous défendre contre ces accusations. Je pense pour certains, s'il y a vraiment un problème avec une personne, plutôt du type masculin, vous êtes capable d'affronter cette personne. D'accord? Aussi, on parle de changement, on dit bon, souvent que le serpent, c'est les changements. Là, je le vois plutôt prête, hein, prête ou prêt à affronter l'ennemi, à affronter l'adversaire. Et c'est possible aussi de vous avertir, vous, à ces personnes-là, d'être conscient Ouais, d'être conscient de ce qui se passe autour de vous et de ne pas se laisser faire, de se défendre au bon moment. Voilà. De se défendre au bon moment. Attendez, attendez le timing. Alors, avec le 77 d'Alieski, on continue les messages. J'adore votre tirage, moi j'aime bien, j'adore. Je continue avec le passé récent, Monsieur Scorpion. Ouais, là c'est le combat. Oh, ça revient, j'adore. Waouh. Vous êtes en mode acharné, allez-y. Il s'agit aussi d'un conflit, hein. Ou comme il y a trois. D'une tierce personne présente là, un trio. Alors, qu'est-ce que ça va donner par rapport à le récent? Position récente. Oh, le triomphe, le grand soleil. Waouh. Là, vous êtes confiant hein, dans le mois d'énergie, l'énergie du décembre. Waouh, vous êtes à l'aise. Vous avez la clé en main, vous avez la réponse, malgré que vous posez des questions hein, par rapport à ce changement, mais au fond de vous, vous savez que c'est la bonne décision à prendre, c'est le bon chemin en fait, à aller vers ce but-là. Vous êtes sur le bon chemin. Alors, les positions,
vos questionnements, c'est comment avancer, hein. Comment procéder? Vous voyez là, comment procéder, comment avancer et évoluer dans ce processus, dans cette démarche, dans ces démarches-là. Vous le savez, que vous êtes bien engagé, hein. Mais le questionnement, c'est voilà, comment évoluer avec ce changement? La réponse déjà, elle est très positive autour. On va voir. Ah bah, ouh, le bateau, il est là. La réponse, c'est le déplacement. Hein, le déplacement, c'est le voyage. C'est vraiment le déménagement. Ou plutôt, si c'est pas vraiment matériel, c'est un détachement en fait. C'est vraiment se détacher carrément, de tourner le dos. Il n'y a pas le tourner le dos, mais en partir. Voilà, psychologiquement, on quitte ce passé-là, on quitte cette phase, on quitte cette étape de sa vie. Et on y va droit au but. Vous voyez là, droit devant. Et la position, elle est claire. La synthèse, mes chers scorpions, pour le mois de décembre, pour finir l'année, là, pas mal. J'aime beaucoup votre message, vos messages, vos cartes. Il y a le savoir et connaissance. La synthèse, voilà, vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous voyez là, avec celle-ci qui est au centre, qui est tendue pour vous, les idées seront claires, hein. Là, même face à l'ennemi, là, peut-être vous allez le dévoiler. Hein, vous allez savoir des choses, hein, des vérités, par hasard. Sur un coup de tête de la personne, sur un coup de chance, sur un coup de hasard, les choses seront évidentes pour vous. Évidentes ou éclaircies, puisqu'il y a un manque de clarté. Et là, il y a vraiment des choses qui seront révélées, hein, le savoir. Et peut-être aussi approfondir la connaissance. Pour certains, on parle d'un homme aussi. Une connaissance, une nouvelle connaissance. Hein. On va apprendre à se connaître plus. Si c'est une relation, si c'est une nouvelle, si c'est une ancienne, à être surpris par la face cachée de cette personne, hein. Vous allez vous dire waouh, et ben aïe, c'est je suis en face d'un autre visage de cette personne, vous voyez là. Donc il y a il y a l'effet surprise, hein, l'effet surprise avec les dés, à voir voilà la face cachée de cette personne, hein. Puisque derrière, il va y avoir une accusation de quelque chose, hein. D'un événement. Hein. Il faut faire attention aussi au niveau travail, de se méfier aussi par rapport à une personne de type masculin. Ouais, au niveau travail. Au niveau relationnel, ben voilà, il faut... Avant de s'engager, renseignez-vous sur le passé de la personne, sur... voilà, il faut se renseigner, hein, approfondir la connaissance, cette connaissance. Et... Globalement, on vous dit voilà, de ne pas rester sur une image superficielle. Donc, il faut que ça soit plus profond que ce que vous pensez. Que ça soit plus étudié. Hein. Voilà, mes chers scorpions, j'ai tout dit, hein, pour vous. Je ne vais pas encore laisser chercher à donner d'autres renseignements. Je pense qu'il y a eu pas mal de choses, d'éléments.
J'espère que ça vous parle. Hein. Bah, c'est pas pour tout le monde. Si ça, ah, si vous êtes attentif à certains mots, c'est que ça vous concerne. Alors, on parle pour vous de la, en fait, du message, mon oracle, message des anges. Le message pour vous, c'est l'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. Vous voyez ? Ben voilà, c'est l'ancrage. Hein. Ça a commencé l'ancrage. De toute façon, vous allez vous battre pour vous ancrer, pour vraiment être dans cette position stable là où vous souhaitez. D'accord ? Je m'ancre davantage, donc il faut se battre davantage pour que ça soit les fondations solides. Voilà mes chers scorpions, je vous dis merci, likez, commentez si ça vous parle, si ça vous a plu. Et bien sûr, je vous dis à bientôt pour la prochaine. Et merci pour votre fidélité surtout. Merci, ciao, ciao, bye.